Il y a un de nos frères qui est actuellement interpellé lors des manifestations opposant le pouvoir et l'opposition. Cet étudiant du nom de Habib Sy est actuellement enfermé. Et c'est un étudiant de l'université Assansec de Gigenchor qui véritablement encourt des difficultés énormes. Nous avons véritablement dans cette logique-là entrepris des démarches auprès des personnes ressources pour que cet étudiant-là soit libéré. Mais malheureusement, jusqu'à ce moment où nous parlons, il est actuellement en prison et son procès est tenu ce 5 avril-là. C'est un soutien de famille et c'est quelqu'un sur qui le pays peut compter. Et quand on enferme un étudiant, bien entendu, c'est comme frapper en plein fouet l'éducation. Parce que nous vivons quand même dans un pays de démocratie. Et chaque citoyen, aussi petit soit-il, étudiant, a quand même le droit de manifester son mécontentement s'il n'est pas d'accord. Bon, ce sont des sentiments de frustration. Je peux même dire des sentiments qui vont au-delà de nos attentes par rapport à nos autorités. Donc, nous venons toujours à leur rescousse, de leur solliciter davantage pour qu'ils puissent participer activement à la libération immédiate sans condition de notre frère. Libérez Habib Sy, libérez Habib Sy.